Et bienvenue sur Benvi pour Senran Kagura Burst Renewal. La prononciation, c'est raté. Donc c'est développé par Onye Parade Games, c'est sorti le 18 janvier 2019 et c'est édité par Marvelous. Donc c'est un jeu d'action, hein, évidemment, hein, comme le précédent, le Estival Versus. Donc c'est le remake du tout premier sorti à l'époque sur 3DS. Donc on garde un petit peu le même gameplay, le même système, sauf que là on a deux histoires avec deux campagnes, les deux écoles. C'est traduit en français, miracle. Oui, je souligne encore, un jeu japonais traduit en français, c'est évidemment pas courant. Donc bon, au niveau du gameplay, on va un petit peu passer, parce que ça reste la même chose. Moi je déplore, c'est qu'il y a très peu de personnages, en même temps il y a que deux écoles, donc évidemment, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Ça reste... très long, entre guillemets, parce qu'il y a quand même deux campagnes, ça prend son temps, ça parle beaucoup sous format un peu de visual novel. Il y a des missions secondaires, donc ouais. Après, il y a toujours le côté un peu répétitif, parce qu'évidemment, on fait de la tatane, hein, c'est... Voilà, c'est toujours la même chose. On a une petite nouveauté qui est le burst, d'ailleurs, qui est le seul moyen pour dénuder l'adversaire. Donc évidemment on a toujours du fan service, mais par contre je l'ai trouvé assez moyen, même si ça reprend le même gameplay, ça reprend la même chose, mais c'est vrai qu'il y a le côté moins de personnages, et enfin voilà, c'est un petit peu bah, un peu moins intéressant que le Estival Versus. Il reste sympathique niveau de l'histoire, je l'ai assez bien accroché, par contre c'est vrai que ça reste non c'était ouais bon ça reste assez moyen hein, admettons-le.